Bonjour à tous, bienvenue sur Formation Facile. Donc je vais commencer maintenant à faire une petite série de tutos sur l'administration de bases de données. Donc j'ai prévu aucun plan, je vais avancer petit à petit, donc au fur et à mesure, en augmentant la difficulté, et puis je vais structurer les formations comme d'habitude. Donc je peux pas exactement vous dire ce qu'on va faire, mais en gros, déjà on va voir comment créer des bases de données, on va voir à quoi ça sert. Comment les utiliser. Donc une base de données, ça sert surtout à stocker des données qui pourront être traitées puis modifiées pour pouvoir s'organiser. On verra comment interagir avec ces bases de données avec le langage SQL, qui est un langage qui permet de traiter les informations contenues dans une base de données. Pour cette formation, au début, j'utiliserai Access. Donc Access, c'est un système de gestion de base de données qui est rapide, fiable, pardon, qui prend le SQL et aussi le VBA. Donc le VBA, c'est un langage de programmation que l'on peut utiliser dans tous les logiciels de la suite Office. C'est presque pareil que le Visual Basic. Donc il y a une formation en Visual Basic aussi sur Formation Facile. Et avec le VBA, qui est un Visual Basic spécial pour Office, eh bien on pourra se créer nos propres outils, nos propres logiciels, qui nous permettront de travailler donc sur des bases de données. Donc Access, c'est simple, ergonomique, ça nous permettra de créer, d'utiliser, de modifier et d'administrer toutes nos bases de données. Donc moi j'utilise Access puisque comme je suis étudiant dans une école informatique, j'ai accès à ces logiciels de Microsoft. Et donc j'utilise beaucoup Access, mais il existe aussi en version gratuite OpenOffice Base, qui me semble c'est à peu près la même chose que Access, sauf que ce coup-ci il y aura un langage différent du VBA. Et de toute façon, je pense que d'ici la fin de la formation, je ferai des petits cours aussi sur MySQL, qui est quand même pas mal utilisé. Donc Access, ça sera vraiment au début pour apprendre à administrer nos bases de données. Donc ça sera pour démarrer, puis après je passerai à des choses un peu plus communes. Donc je vais vous parler vite fait de la structure des bases de données. Donc en gros, c'est plusieurs tables. Chaque table a des propriétés, des attributs. On a des liens entre les tables qui nous permettent donc de bien organiser notre travail. Donc tout ça, vous le comprendrez quand on aura commencé cette formation. Je vous ferai des petits schémas, je vous montrerai exactement à quoi ça sert. Là, je vais vous expliquer très rapidement. En fait, on peut avoir une table qui contient des personnes, une autre table qui contient des objets qui sont possédés par les personnes, et puis on va pouvoir lier les tables pour par exemple dire que tel ou tel objet appartient à telle ou telle personne. Donc tout ça on verra après. On parlera aussi de clés primaires, clés étrangères, qui sont en fait des propriétés uniques d'une table. Ce sont des attributs qui n'existent que une seule fois dans la table et qui nous permettront d'identifier clairement et précisément quelque chose dans la table. C'est-à-dire que si on enregistre deux personnes donc sur une table, eh bien deux personnes seront forcément différentes. Il va falloir les différencier donc de façon très précise, et ça se fera avec des clés primaires, clés étrangères. Et les clés primaires servent à différencier des objets, et les clés étrangères servent à venir se lier aux clés primaires pour pouvoir accéder à d'autres informations. Donc ça paraît un peu abstrait comme ça, c'est normal puisque là je vous le dis très rapidement. C'est juste pour faire une petite introduction, mais tout de suite ça ira beaucoup mieux dans Access quand on travaillera. Et puis dans cette formation donc, on va concevoir des bases de données. Donc on travaillera sur un sujet concret en fait, comme d'habitude. Je vais vous donner un objectif. Une sorte de petit logiciel à réaliser. Et puis, on va construire notre base de données petit à petit pour arriver à satisfaire en fait quelque chose qu'un client pourrait vous demander si on vous demandait d'administrer une base de données. Donc, avant de commencer cette formation, je vais ouvrir Access. Là, je ne sais pas si je suis sur la version 2007 ou 2010. Il me semble que c'est la version 2007 qui m'a été fournie. En tout cas, la dernière version aujourd'hui, c'est la version 2010. Et je vais vous présenter rapidement l'interface d'Access qui ne change pas beaucoup entre ces deux versions. Donc au démarrage, on a la page d'accueil
Bon, il y a tout le menu, tous les outils qu'il y a par défaut dans la suite Office. Et on a ici des modèles qui sont disponibles et qui nous permettront de créer notre base de données. Donc nous, on va sélectionner le premier modèle qui est une base de données vide. On va pouvoir lui donner un nom. Donc tuto 1. Je double-clique. Et là, ma base de données se crée et une nouvelle page va s'ouvrir. Donc on a une table qui est déjà créée par défaut et on arrive donc ici dans notre base de données. Alors on a ici un menu qui sera très utile, qui est le mode création et le mode affichage. Donc le mode affichage bien sûr c'est pour voir notre table comme elle est et le mode création c'est pour pouvoir apporter des modifications. On a aussi un des onglets les plus importants que l'on utilisera tout le temps, c'est l'onglet Créer. Donc dans cet onglet Créer, on va pouvoir créer des tables, soit de façon plutôt manuelle, soit de façon assistée par Access. On va pouvoir créer des requêtes, donc encore une fois, de façon assistée ou de façon manuelle. Les requêtes, ce qui nous permettra d'interroger les tables et de les modifier. On pourra créer des formulaires, encore une fois, assistés, manuels. Les formulaires, ça nous servira plutôt pour simplifier le travail. C'est-à-dire qu'une personne qui ne comprend rien au SQL, qui n'est pas forcément très forte en informatique, sera capable d'apporter des modifications à une table de données en passant par exemple par des formulaires qui lui permettront de simplement entrer un mot et d'appuyer sur un bouton et ce mot sera enregistré dans la base de données. Donc tout ça, on le verra aussi plus tard. On pourra créer des états. Toujours de façon manuelle ou assistée. Les états, c'est pour avoir des informations rapidement, donc une sorte de rapport. Puis on pourra créer des macros et programmer en Visual Basic. Donc là, ça sera beaucoup plus complexe. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mis à part le fait que vous pouvez créer vos tables sur Excel ou ailleurs. Vous pouvez faire des importations, des exportations de vos tables. Et les autres menus, soit vous fouillez vous-même en regardant un peu ce que c'est, ou soit on verra ça nous au fur et à mesure de la formation. Donc on n'utilisera pas tout, hein, on verra surtout ce qu'il y a dans l'onglet Créer, puisque c'est la chose la plus importante. Avant de clore cette première vidéo, je vais très rapidement vous montrer comment on peut faire pour créer une table. Donc par exemple, j'ai la table 1 qui est créée par défaut, je vais cliquer sur affichage, et là, on va créer notre première table. Donc on a une clé primaire, pardon. Donc la clé primaire, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'unique. Donc par défaut, Access nous propose un numéro, qui est un numéro automatique, et en fait, ce sera un compteur, et à chaque fois qu'on va ajouter une valeur à notre table, ce compteur va augmenter de 1. C'est-à-dire que l'attribut, l'objet numéro 1 de la table sera numéroté par 1, le second objet aura le numéro 2, le troisième le numéro 3, ainsi de suite. Et de cette façon, on est sûr et certain d'avoir un identifiant unique pour chaque objet. Donc on verra que c'est souvent la meilleure solution, mais parfois on devra passer par d'autres types d'identification unique. Et on verra comment créer nous-mêmes nos clés primaires. Donc ensuite, si je veux créer un nouveau champ pour ma base de données, je clique ici donc en dessous et je vais marquer par exemple nom pour stocker le nom d'une personne. À droite, je dois donner un type à ce champ. Donc moi, je veux que ce soit un texte puisqu'un nom, ce sont des lettres. Donc on a plusieurs types. On a le texte qui est très important. Le numérique pour stocker des numéros. La date et l'heure pour stocker surtout des dates, par exemple date de création de cet objet. Monétaire si on veut stocker des valeurs de l'argent par exemple. Numéro auto, donc c'est quelque chose qui s'incrémente tout seul comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et le reste, c'est pas très très important. Donc quand on donne un type à notre objet, on a en dessous des propriétés que l'on peut modifier. Donc la taille du champ, on évite de mettre des valeurs trop grandes. On peut mettre par exemple 60, ça sera suffisant.
c'est-à-dire qu'on aura le droit de mettre un nom long de 60 caractères. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient un nom plus long que 60 caractères. Ensuite, nul interdit, c'est pour interdire un champ vide, c'est-à-dire qu'une personne doit obligatoirement avoir un nom, donc on interdit le nul. Indexé, donc ça c'est intéressant aussi. Si je clique sur numéro auto, on voit que indexé, il y a marqué oui sans doublon. C'est-à-dire que ce champ-là n'a pas le droit d'être dupliqué. C'est-à-dire que ce champ est unique et on ne peut pas avoir deux fois le même champ. Donc si vous voulez pas que deux personnes aient le même nom, vous sélectionnez oui sans doublon. Donc là c'est pas indispensable. Par contre sur la clé primaire, c'est indispensable de ne pas avoir de doublon. Donc le reste, pas grand-chose à ajouter. On pourra le voir un peu plus tard. Donc ensuite, on va par exemple mettre l'âge. L'âge, ça sera plutôt du numérique. On a plusieurs types d'entiers, types de taille. L'entier long, ce sont donc tous les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les décimales, c'est pour les virgules. Ensuite, le reste, c'est pas très très nécessaire. Donc on va se mettre en entier long. Pour l'âge, ça sera suffisant. Ensuite, si vous autorisez une personne à ne pas donner son âge, vous n'avez qu'à laisser non sur le nul interdit. Donc là, une fois que j'ai terminé ma table, je vais dans affichage. Donc là, on doit enregistrer la table. Oui. La table, on peut la renommer. On fait clic droit, renommer. Donc en fait, on ne peut pas renommer tant qu'elle est ouverte, on va la fermer. On fait clic droit, renommer. On marque individu. Ok, j'ouvre ma table. Là, vous voyez, j'ai mon numéro, je n'y touche pas. J'ai le nom, donc je vais donner un nom à une personne. Par exemple, formation facile. L'âge 23. Je fais entrée. Et là, ça m'a créé mon premier individu. On voit que le numéro, c'est 1. Il s'est mis automatiquement. Je vais créer une deuxième personne, Toto, âge 34, entrée. Il a le numéro 2. Je vais créer truc, âge, je laisse vide. Ok, truc a été créé. Par contre, si je crée une quatrième personne, que je mets un âge 54, que je fais entrée, tac tac, Access nous donne un message d'erreur et il nous dit qu'on doit forcément donner un nom dans l'individu. On ne peut pas laisser quelqu'un sans nom. Donc là, je lui donne un nom et j'appuie sur Entrée. Donc voilà à peu près comment construire une table d'une base de données. Donc avant de vous quitter, je vous donne un exemple d'utilisation d'une table d'une base de données. Imaginons que vous soyez responsable d'un magasin de location de DVD, eh bien vous aurez besoin d'une base de données qui contiendra tous vos films avec le titre, le réalisateur, les acteurs, la durée du film, le genre, histoire de répertorier tous vos films. Et lorsque un client va vous demander tel ou tel film, eh bien vous n'aurez qu'à mettre le nom, rechercher le nom dans votre base de données pour savoir si vous avez le film, voir l'emplacement du DVD, ou s'il vous demande des films de science-fiction, vous ferez une recherche de films de science-fiction. On pourra faire des recherches très très précises, donc tout ça grâce au langage SQL qu'on verra un peu plus tard. Et donc les bases de données peuvent vous être très utiles pour toutes sortes de choses, pour travailler, pour rechercher des informations rapidement et à faire des archivages en fait de tout ce qui s'est passé donc dans le cadre de votre travail. Donc tout ça, on le verra un peu plus tard et je vous dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo.